merci d'être là. Je suis très heureuse d'animer cette rencontre avec Terence Davis, dont je suis une grande admiratrice. Et donc, je vais juste faire une rapide introduction. Et puis ensuite, on aura une bonne heure de discussion ensemble. Je poserai les questions en français et puis en anglais pour Terence. Et puis ensuite, on vous laissera la parole pendant à peu près une quinzaine de minutes pour que vous puissiez également, de votre côté, poser vos questions. Donc, du coup, on sait qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas vu des films de Terence Davis. Donc, je vais vous en parler très rapidement. Terence Davis est né à Liverpool en 1945. Il a quitté l'école à l'âge de 16 ans pour travailler comme aide-comptable. Et puis, après 12 ans de ce travail, il a quitté Liverpool pour intégrer une école nationale d'art dramatique. Et là-bas, il a écrit le premier scénario le scénario du premier volet de la trilogie, qui est donc son premier film, Children, en 1976. Et donc, depuis, il réalise des films et il est actuellement en train de développer son 13e film, qui est une adaptation d'un roman de Stefan Zweig, Ivresse de la métamorphose. Donc, le festival programme 7 films de Terence Davis, donc la trilogie Distant Voices Still Live, qui date de 88, The Long Day Closes de 92, et la trilogie et ces deux films-là constituent en quelque sorte une première période très autobiographique, puisque dans ces films, Terence revient sur son enfance à Liverpool dans les années 50, mais à travers un cinéma purement de fiction. Et puis on peut rajouter à ce corpus de films autobiographiques le documentaire plus tardif Of Time and the City, qui date de 2008, dans lequel il dresse un portrait très subjectif de la ville de Liverpool à la première personne. Et puis donc, le festival projette Deep Blue Sea, qui date de 2011, qui est une adaptation littéraire d'une pièce de Terence Rattigan et qui donc, appartient à tout un autre pan de la filmographie de Terence, où il va adapter un certain nombre de classiques de la littérature américaine et écossaise, donc The Neon Bible, The House of Mirth et Sunset Song. Et puis, donc, vous allez voir, vous pourrez aussi voir ces deux derniers films en date, qui sont des portraits de poètes. Le premier, A Quiet Passion, qui est le portrait de la poétesse américaine Emily Dickinson, qui date de 2016. Et son dernier en date, qui n'est pas encore sorti en salle en France, Benediction, que vous pourrez voir, je crois, dimanche, qui est un portrait du poète Siegfried Sassoon, poète anglais. Et donc, ces sept films... et l'entièreté de la filmographie de Terence Davis met en scène des personnages aux prises avec la société et ses règles, avec la question de la religion, pour certains qui sont rejetés pour leur homosexualité, et plus largement, dont le comportement est considéré par la société comme transgressif. D'accord. Et qui sont donc autant d'alter-ego, hommes et femmes confondus, dont les trajectoires résonnent avec celles de Terence Davis. Donc en creux se dessine une sorte d'autoportrait à travers ces films. Et ce qui est, moi je me souviens très bien que quand j'ai découvert vos films, ce qui m'a marqué, c'était, peut-être que tu peux lui traduire ça juste, Max, ce qui m'a marqué, c'est l'état dans lequel ils m'ont mis. C'est-à-dire qu'on met du temps à sortir d'un film de Terence Davis tellement on est enveloppé dans une texture. Dans une beauté visuelle qui émane de la façon dont il va s'emparer du quotidien et pour le restituer à travers l'émotion et à travers le souvenir. Et aussi sa convocation de la littérature, de la poésie et de la musique qui nous plonge dans un état à la fois de joie et de mélancolie. C'est ça peut-être qui me touche le plus dans ces films et dont j'ai envie de parler ce soir. Je sais pas si tu peux lui dire. She just introduced your work and then she emphasized the state in which your movies put the spectator in, between dream and memories and melancholy and joy, and she emphasized the textures of your movies, and then she's going to ask you the first question. Donc dans The Long Day Closes, qui est votre deuxième film et qui est peut-être le plus explicitement autobiographique, puisqu'il se concentre sur la vie de Bud, un jeune garçon dans le Liverpool des années 50.
on entend dans la très riche bande sonore des extraits de films de l'époque, The Lady Killers d'Alexander McKendrick, la comédie musicale Meet Me in St. Louis avec Judy Garland. Donc non seulement ces extraits nous ramènent à une certaine époque, mais ils nous racontent quelque chose de votre rapport au cinéma. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quel moment le cinéma a joué une place importante dans votre cinéma et dans votre vie, pardon, et quelle place elle a occupée à ce moment-là? Oui, pardon. Sorry, I'm going to ask the questions. So I was saying that in The Long Day Closes, which is your second film, we have all these extracts, you know, of The Lady Killers, of Meet Me in St. Louis, etc., which of course brings us back to that time of the 40s, the 50s, but which also tells something about your link to cinema. So when did cinema become important in your life, and what importance did it have? Well, Proust had the Madeleine cake. I had Gene Kelly. I was taken to see Singing in the Rain when I was 7. What an introduction. I mean, what an introduction. That sequence is one of the greatest sequences in the whole of cinema. 9 cuts from 8 positions. That's all it is. I fell head over heels in love with it. My sisters loved American musicals, and of course so did I. But as to the British films of the time, the way it worked in England was you had the main feature, which was always American, and the supporting feature, which was always British, except when it was a comedy, because our comedies were much, much better and had real people who were loved. I mean, these people in these comedies were loved. So I had that. And because the way cinema works, you just don't remember something. It's felt deeply, as if it's been sort of burned into you, like memory. But like memory, it moves cyclically from one thing to another. But that was my introduction. I didn't realize that I loved it so much. I just went all the time. I was only 7. Donc, le premier contact avec le cinéma, c'était quand j'avais 7 ans et que ma sœur m'a amené voir Singing in the Rain, Chantons sous la pluie. Donc c'est vraiment Gene Kelly, ma porte d'entrée dans le cinéma. Il a notamment parlé d'une séquence du film, je pense que la séquence qui donne son titre au film, et du montage de cette séquence comme un moment particulièrement fondateur pour lui. Ensuite, il a évoqué très brièvement... Le contexte de projection des films en Angleterre à l'époque, il y avait toujours 2 films, un film principal et un deuxième film, entre guillemets, un film de support. Le premier film était toujours américain et le deuxième film était généralement anglais. Et il a expliqué que quand c'était des comédies, le film principal était le film anglais parce que les comédies anglaises étaient considérées comme meilleures que les comédies américaines. Et après, il a parlé voilà, de ses doubles programmes et de ses projections comme des souvenirs marquants pour rentrer dans le monde du cinéma et faire le lien entre cinéma et le jeu de mémoire, le jeu sur la temporalité, qu'il va ensuite développer. And when I was about 10, I was 10 or 11, and I went to see The Battle of the River Plate, which is not a very good Powell and Pressburger movie. But the short that was on was The Red Balloon. God, I don't think I've ever cried so much in all my life. It's the most wonderful. It's about a murder. They murder a balloon, and then all the balloons of Paris come over to this child. I mean, God, it is just fabulous. Et quand il avait 10-11 ans, il allait voir un film de Paul and Pressburger, The Battle of the River Plate. Et il mentionne que le court-métrage qui avait été projeté avant ce film était Le Ballon Rouge. Et qu'il a été très très profondément marqué par ce film, par le symbole que joue ce ballon dans le film, qu'on assassine entre guillemets un ballon, et qu'à ce moment-là, tous les ballons de la ville de Paris se mettent à apparaître, à sortir et à manifester entre guillemets pour protester contre ce meurtre symbolique. Donc après avoir quitté votre travail de comptable, vous vous destinez plutôt a priori à monter sur les planches, à être comédien. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire le premier scénario de votre film, Children?
vous n'aviez pas encore étudié le cinéma, vous n'étiez pas encore dans l'école de la NFTS, la National Film and Television School, en sachant qu'en plus, depuis, vous êtes l'auteur de tous vos scénarios. Est-ce que vous écriviez par ailleurs, ou voilà, qu'est-ce qui vous a amené vers ça? So after leaving your job in Liverpool, and you at first you wanted to become an actor, and you studied in that Coventry Drama School. And so what led you to write the first screenplay, the children's screenplay? Because from then on you've been writing all your screenplays, whether they be adaptations or original screenplays. Were you already writing other things, poetry, texts? And what led you to writing a first screenplay? Well, I wanted to be an actor originally, simply because after seeing in 56, The Robe, which is terrible rubbish, but it's wonderful rubbish. I mean, the man who played Caligula is quite wonderful. He's just so good, so camp. He's wonderful. I wanted to be an actor because he always wore these little cocktail numbers, which looked very nice, I must say. So I wanted to be an actor because of him. Alors, en fait, à la base, il voulait être acteur parce qu'il avait vu un film en 1952, La Robe. Donc, il considère que c'est un très très mauvais film, un film très kitsch, mais dans le bon sens du terme. Et en fait, il y a un acteur dans ce film qui joue le personnage de Caligula et qui portait des tenues très camp, très fabuleuses. Et voilà, ça lui donnait envie d'être acteur pour être ça. And because it was in CinemaScope, I can remember seeing it that first night, and the curtains went back. And the audience gasped. Et en fait, c'était un film en cinémascope, qui à l'époque était une technologie encore nouvelle, et au moment où la projection allait commencer, un peu comme ici d'ailleurs, les rideaux se sont écartés pour découvrir un écran plus grand, et le public a soupiré de surprise devant ce spectacle qui s'annonçait. But people like me didn't go into the movies, or not even the theatre. I was from a large working class family, so I had to get a job when I left at 15. And I got a job as an office clerk, an office junior, which is the lowest form of life, in a shipping office. Mais les gens de sa classe n'allaient pas au cinéma parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas le temps. Et donc lui, quand il a quitté son foyer à 15 ans, il a dû prendre un premier boulot. Et donc il est rentré dans un type de poste qu'en anglais s'appelle office junior, donc le degré zéro en fait dans un bureau de poste à l'époque. And we had to share an office with a firm that made gunpowder. Et partager son bureau avec une entreprise qui faisait de la poudre à canon et de la poudre à pistolet. And the man who ran it came in Edwardian outfit with a bowler and spats. Et le type qui travaillait pour cette entreprise en fait était habillé à la mode édouardienne. And one of my jobs was to go outside and see if he had left the engine of his car running. And if he did, I would have to go back inside and say, Mr. Todd, you've left the engine of your car running. And he would leave and never come back. Et une des missions de son premier poste, justement, dans ce bureau, c'était de, quand ce monsieur en tenue édouardienne arrivait, de sortir et vérifier qu'il n'avait pas oublié d'éteindre le moteur de sa voiture. Et si cette personne avait laissé le moteur tourner, il devait retourner à l'intérieur, le prévenir. Et à ce moment-là, le monsieur sortait et ne revenait jamais. But the big thing that happened in Britain was the so-called kitchen sink dramas of the late 50s. British cinema was dead. I mean, it was just moribund. And these were huge revelations, because here were people who were like us, who spoke like us and lived in slums, basically. And that really was needed. I mean, they look very dated now. But one film, which wasn't, I saw in 1960 when I was 15, it was Victim with Dirk Bogarde, and it dealt with homosexuality. And in Britain, that was illegal. You could go to prison. And it helped change the law in 1967. But it was the first time I realized just how powerful it was, because I'm gay and I'm from a large working class family. I didn't tell anybody. And when he says in the film, he's asked, you know, you do know about Barry, you know, he was a homosexual. And he just says, yes.
That word was never used. The word was queer, which had such contempt and vileness in it. But you suddenly realized that this secret was being told only to you. Even in a crowded cinema, that's where the magic is. You feel that only you are into the secret. Donc il faut garder à l'esprit que le cinéma anglais des années 50 était moribond, qu'il ne se passait pas grand chose, et qu'à la fin des années 50, il y a eu, comme en France d'ailleurs, une nouvelle vague du cinéma britannique qui s'est développée tout au long des années 60. Et il se souvient en particulier d'un film avec Dirk Bogarde qui est sorti en milieu des années 60 qui s'appelle Victim, qui était le premier film dans lequel un personnage était ouvertement homosexuel. Il y avait une ligne de dialogue où on demandait au personnage « Mais est-ce que vous êtes homosexuel ?» Et le personnage répondait « Oui ». Et en fait, il se souvient que c'est la première fois que ce mot était prononcé dans un film, parce qu'à l'époque, le mot qu'on employait pour désigner les personnes homosexuelles, c'était plutôt « queer ». Qui était extrêmement péjoratif en anglais. On pourrait le traduire en français par « étrange »,« anormal ». Et donc d'avoir entendu à cette époque-là, ce terme-là, cette scène-là, ça a aidé à faire évoluer les mentalités et même à faire passer une loi, puisque l'homosexualité était illégale au Royaume-Uni à cette époque-là. Donc ça a aidé. Ça a aidé à changer la loi, et il se souvient que d'entendre ça et d'être dans une salle de cinéma même pleine de monde, on avait l'impression, en fait, en tant que jeune homme homosexuel de la classe ouvrière comme lui, d'être dans un secret, de partager quelque chose de très intime, en fait, avec le film à ce moment-là. And the next great film I saw was on television, because you couldn't get old films in Liverpool then, so you had to wait for them on television, usually on a Sunday afternoon, and it was a letter from an unknown woman. Which is the greatest film about unrequited love I think ever made. Ravishing black and white. And two of the great performances from Louis Jourdain and Joan Fontaine. It's just wonderful. I mean, Stefan Zweig novella ends with the main character not remembering who she is at all. It's too cruel. I mean, it's just too cruel. He's got to remember that who she is, but done with such marvelousness and such restraint. When she's in the theater and she looks around, she says, I feel him. He's out there somewhere in the dark. Et un autre moment marquant pour lui, quelques années plus tard, parce que c'était en découvrant un film plus ancien, parce qu'il faut savoir que les vieux films ne passaient pas au cinéma à Liverpool, ils devaient attendre leur diffusion à la télévision pour les découvrir. Et donc c'est Lettre d'une jeune inconnue, je Lettre suppose. D'une inconnue. Lettre d'une inconnue, adapté de Stefan Zweig avec Joan Fontaine, qui l'a beaucoup marqué. Et ensuite il a décrit une scène du film. Alors moi, ne l'ayant pas vu, j'avoue, j'ai un peu du mal à vous redécrire la scène. En fait, c'est la fin du film où donc Bon, si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être que ça vous le spoil un peu. Mais où il raconte que le personnage principal ne se souvient pas de cette femme qui l'a aimée. Elle est tombée amoureuse de lui quand elle était il y a des années. Ils se sont rencontrés. Ils ont eu une histoire d'amour, mais lui en a eu beaucoup. Donc c'est une femme parmi d'autres. Et il reçoit une lettre d'elle qui lui rappelle cette histoire qu'ils ont eue en commun. Et dans la nouvelle de Zweig, il ne se souvient absolument pas de cette femme. Donc cette fin est très, très cruelle. Donc, And as a grand finale, on that Sunday afternoon, which they were regular, I saw Les Enfants de Paradis. Je ne vais pas forcément traduire, mais un autre souvenir très, très marquant de cinéma pour lui, c'est d'avoir vu un dimanche après-midi le film de Carnet, Les Enfants du Paradis. So all these films gave you, they made you want to write a screenplay, made you want to... Oh, not at all. No, I had to work for a living. That was just something I did in the evening. Then it's a lot different now in England. You had to go to drama school. You had to, and they were very difficult to get in. There were only four in London, and I did very bad auditions because I hated going down there. I thought, well, I'm not going to become an actor. Obviously, I haven't got any talent. And I was going over to my bookkeeping job on the ferry from Liverpool to the other side of the Mersey, and I remember thinking, I can't do this. I'm going to die.
I will write to the first thing that I see about drama school, this woman called Coventry in the Midlands, and I wrote to them, and I got in, and I got a grant. You've got a grant from your local authority then. Couldn't believe it. After all those years of desperately wanting to become an actor, I couldn't believe that I'd actually got in. Donc c'est pas ces expériences de cinéphilie séminale qui lui ont donné envie de se lancer dans le métier. Il voulait être acteur, mais il pouvait pas parce qu'il devait travailler en fait. Et qu'à l'époque, pour devenir acteur au Royaume-Uni, il fallait absolument passer par des écoles dramatiques. Il y en avait que 4 là où il était, et il pensait pas pouvoir y entrer en fait. Et donc il faisait son job de travailler à la poste là de Liverpool. Et en fait, il se rendait compte que ça le détruisait à petit feu et que s'il continuait à faire ça toute sa vie, il allait en crever. Et donc, un beau jour, il s'est dit, tant pis, je vais tenter. Il a écrit à une des 4 écoles de dramatique qui était à Coventry. Et en fait, il a obtenu, il est passé, quoi. Ils ont dit oui, il a obtenu une bourse. Et c'est ça qui lui a mis le pied à l'étrier. But in my first year, I don't know where it came from, but the first part of the trilogy came and I wrote it. In about 3 weeks, there's 46 pages. I sent it all over to Britain. Everyone turned it down or didn't reply. And I used to be able to afford to go home 1 week in 3. And I was very, very homesick. I waited to go home on that Friday. And I went home this particular Friday, switched the television on, and there was a program on the British Film Institute Production Board. I sent my screenplay off, and I got a telephone call saying, come down to London next week. I went down to London. Mamoun Hassan, who gave me my life, who recently died, said, you have £8,500, not a penny more, you will direct. I said, I've never directed before. I said, well, now's your chance. Et donc il a écrit en 3 semaines son premier scénario qui faisait une 50aine de pages, donc le scénario de le premier segment de la trilogie, donc Childhood. Children. Mm. Et au cours de ces 3 semaines, bon, il a vite été, il avait le mal du pays, le mal de rentrer dans sa famille, parce qu'il n'était plus à Liverpool, donc il a pu rentrer au bout de 3 semaines, passer une semaine dans sa famille. Et en fait, en rentrant, il a allumé la télé, et il est tombé sur la BBC, et il s'est dit, ah, mais je vais envoyer mon scénario à la BBC, parce qu'il l'avait envoyé dans tout le pays, et personne n'avait répondu. Et fort heureusement, la personne qui l'a reçu l'a recontacté. Alors, j'ai le nom. Mamoun Hassan. Et c'était au BFI, donc c'est BFI, l'équivalent okay. de la Cinémathèque. Le British Film Institute, pardon. Voilà. Et donc ils ont accepté son scénario, ils ont dit, vous avez tant d'argent pour le réaliser, c'est vous qui réaliserez. Et donc il leur avait répondu, mais j'ai jamais réalisé de ma vie. Et en fait, ils ne l'ont pas laissé le choix, et donc voilà, il a dû réaliser le premier film qu'il avait écrit. And the crew, apart from the cameraman, loathed and detested the script. And they told me every single day for 3 weeks. I mean, we'd set up shots and they'd all go. It was awful. Et ça s'est pas forcément très bien passé parce que toute l'équipe, à part le caméraman, détestait son scénario. Donc à chaque fois, pendant les 3 semaines du tournage qui finissait une scène, dès qu'il avait coupé la caméra, tout le monde levait les yeux au ciel et soufflait pour manifester leur désapprobation de travailler sur ce projet. But it puts iron in the soul. I had no idea what I was doing at all. But they would give me lenses, and I'd say, no, it feels odd, which made them even more irritable with me. But when it was right, I said, no, it's that. What I didn't realize, and it was a big revelation to me, and I didn't realize this for many years later, it wasn't so much what you put within the frame as what's suggested off screen. And that's really fantastic. That was a real revelation to me. Et donc il explique que sur le tournage, par exemple, il savait pas vraiment ce qu'il faisait puisque c'était la première fois qu'il réalisait un film. Et par exemple, on lui donnait des lentilles ou des objectifs pour mettre sur la caméra, et il savait pas trop quoi en faire. Mais en réalisant, en fait, il s'est rendu compte que peut-être le plus important, c'était pas ce qui était dans le cadre, dans l'image, mais ce qu'on suggérait hors cadre, hors image, et que c'est là que la magie se déroulait. And it had to be re-edited because the editor was a very bad editor. And by that time, a man called Peter Sainsbury had taken over the BFI. And I said, look, no, you're just wasting money. We've already wasted £8,500. In 1973, that was a lot of money. He said,
If I find someone, will you do it? I said, oh, all right. And they found this wonderful woman called Sarah Ellis. And we ran it through the Steinbeck and said, what's the scene that you hate most of all? I said, well, it's the scene at the end, which should have been a series of, instead of cuts, but dissolving in and out like this. I said, well, we'll send them to the laboratory. And those days, if you had a dissolve, it took 2 days to do a dissolve. So I was very anxious waiting for 2 days. Anyway, the sequence came back, and she put it on the Steinbeck, and we ran it through. And she said, you're right. Oh, I wanted to adopt her legally. Et du coup, le film a dû être remonté, puisque le premier montage était catastrophique de son propre aveu. Sauf qu'entre-temps, à la BFI, il y avait une nouvelle personne à la tête de la BFI qui a estimé, non, en fait, là, tu dilapides trop d'argent, tu nous as déjà coûté trop cher plusieurs centaines de livres, ce qui, à l'époque, était vraiment beaucoup. Et donc, on va te trouver quelqu'un qui va te refaire le montage. Est-ce que ça te va si on fait ça comme ça? Et donc, du coup, ils ont trouvé une femme qui s'appelait... Sarah Ellis. Ils ont regardé le montage initial du film ensemble. Elle lui a demandé, mais c'est quoi la séquence que tu détestes le plus dans ce montage? Il lui a dit, c'est la dernière séquence parce qu'il y avait des fondus au noir qui s'enchaînaient sur plusieurs plans. Et je trouve que ça ne marche pas. Et donc, elle a dit, OK, je vais retravailler dessus. Sauf qu'à l'époque, comme on travaillait sur pellicule, ça prenait plusieurs jours en fait, pour faire ou défaire des fondus au noir. Donc elle a retravaillé dessus, puis ensuite ils ont regardé la nouvelle version, le nouveau montage ensemble. Et à ce moment-là, elle s'est tournée vers lui, elle lui a dit « Tu avais raison, c'est mieux comme ça ». Et il était très soulagé. Et il avait envie de l'adopter. Oui. Comment se passe l'écriture de vos scénarios aujourd'hui? À quoi ressemble un scénario de Terence Davis? What do your scripts look like today? What is a Terence Davis script? Well, I've written them all myself because I just felt that I needed to. I mean, I am sent scripts by other people, but if I can't see the images, then I don't know where to put the camera. And then I shouldn't do it. I shouldn't. I don't know where it came from. I still don't know where it came from. But I write them myself. I write every single shot and describe everything so that I know when I go on the set, I know every single shot. So that if something goes wrong, then you can improvise very, very quickly. I mean, it was Bergman who said, you can only improvise if you prepare. And I do prepare. I prepare very, very deeply, because it's other people's money, and you have a moral stance to that. You have to beware that it is other people's money, and so you have to make sure that you do it properly, efficiently, and get the right things that you need for them. The thing that's variable is if the camera is moving, or if the scenes are particularly difficult for an actor, because acting in cinema is the hardest form of all. I mean, you arrive on the set, after 2 hours of makeup, you say, cry, be naked. I hate it, I wouldn't do it at all. Il a beaucoup parlé là. Donc, oui, il écrit lui-même tous ses scénarios, il en a besoin de procéder comme ça, parce qu'en fait, quand il écrit, les images, les plans, déjà dans sa tête, et donc... pour réaliser les films, il faut que ce soit lui qui écrit ses scénarios parce qu'il sait si l'image qu'il filme correspond à l'image qu'il avait en tête. Il a besoin de procéder comme ça, de manière extrêmement détaillée. Comme ça, s'il y a des imprévus pendant le tournage, il peut réagir plus rapidement. Il a cité Bergman qui disait pour improviser, il faut s'être préparé avant. Et donc voilà, lui, il est toujours très très préparé. Et c'est important aussi pour lui parce qu'il considère que réaliser des films, c'est travailler avec l'argent des autres. Et donc, on est redevable aux personnes qui nous ont financés. Et donc, pour lui, la manière d'être le plus efficace possible, le plus professionnel possible, c'est de travailler, de se préparer le plus en amont. Et la rédaction de ses propres scénarios, c'est l'étape cruciale de ça. Pour lui, le plus dur dans le cinéma, en fait, c'est le jeu d'acteur, c'est les acteurs. Parce que, par exemple, quand on est sur un tournage, les acteurs, ils ont 2 heures de maquillage. Et puis après, ils arrivent sur le plateau et on leur dit « pleure » ou « déshabille-toi ». Et ça, il pourrait pas le faire, en fait. Il trouve ça horrible, beaucoup trop difficile. But that doesn't mean to say that nothing can be altered. If you've prepared, anything can be altered. I mean, we had one sequence in
Sunset Song, where I'd written this sequence where this man is being shot as a deserter. We couldn't find anywhere. One of the reasons was that if you chop up land, it becomes infertile for 5 years. Well, no farmer is going to allow us to do that. So we found a little patch. This little train halt. And I remember thinking, well, look, I'd just go and look at the train station. And I went down, and it was, the platform went like this. There was a building, a little inner courtyard, and another building, and it's perfect. I redid the shots in 20 minutes because it was much, much better. But you've got to be open to that. You've got to be open to the actors doing something which you hadn't thought of. And you think, I wonder why they did that. Isn't that a wonderful way to say that line? You've got to be open to that. Mais c'est pas parce qu'il se prépare autant au niveau de la rédaction des scénarios qu'il n'est pas prêt de modifier les choses et de les modifier dans l'instant, lors des tournages. Et donc là, il a cité une anecdote de tournage de Sunset Song, où il devait apparemment filmer le meurtre de quelqu'un qui avait déserté dans un champ, et qu'apparemment il fallait abîmer ou détruire durablement une partie du champ, et qu'aucun agriculteur n'aurait accepté de détruire ses cultures pour une scène de quelques secondes dans un film. Et donc ils ont pu négocier une toute petite parcelle du champ, et après ils avaient une gare à proximité. Il s'est dit, bon, bah, je vais aller voir dans la gare qu'est-ce qu'il y a. Il est allé voir et il a découvert que le cadre de la gare avec une petite cour, un escalier, se prêtait très bien à la scène. Il a été capable de rajouter à la dernière minute cette scène et de filmer dans la gare. Et donc voilà, il valorise énormément cette capacité à pouvoir rebondir dans l'instant et à modifier au jour le jour en fait ce qu'il s'était imaginé si ça s'y prête et que l'image s'insère bien dans ce qu'il avait prévu pour le film. The thing you have no control over is an inanimate objects. They're always trouble. We had one where this young man had to blow this candle out. And I said, we're going to have trouble. I'm telling you now. We started shooting. Didn't go out. Still didn't go out. All three of us behind the camera were going, and it still wouldn't go out. It took forever. Et le plus dur, en fait, c'est de travailler avec des objets inanimés sur lesquels on n'a aucun contrôle. Il se rappelle d'une scène où il fallait souffler une bougie. Et en fait, il avait prévenu avant en disant, non, mais tu vas voir, on va avoir un problème avec la bougie, ça n'a pas marché. Et effectivement, quand ils ont appuyé sur on et qu'ils ont lancé la caméra, l'acteur souffle la bougie, il ne se passe rien. Ils réessayent, il se passe encore rien. Et en fait, toute l'équipe qui était derrière la caméra, ils sont mis à trois pour souffler la bougie et elle ne voulait toujours pas s'éteindre. Si on revient un peu à la trilogie, donc c'est un film qui relate en trois volets l'existence du personnage principal, Robert Tucker, de l'enfance jusqu'à la mort. Comment est venue l'idée de prolonger Children et, vous aviez que 30 ans, d'embrasser une vie entière, de raconter le temps qui passe, d'aller jusqu'à l'agonie et jusqu'à la mort. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos films. So the trilogy, which is the story of Robert Tucker from his childhood until his death. Why did you, because you were what, 30 years old, something like that? How did you think about talking about the whole length of a life until death, to talk about time that passes, agony and death, which is something that you do in a lot of your films, in Benediction, in A Quiet Passion. You really have a sort of big scope on one human life. So did that come to you? Well, I've been obsessed with time. Especially when I was a child, my father was very violent and my family would talk about what had happened to them. But they talked about all different times in their lives. So that to me seemed perfectly, perfectly good and perfectly sensible. When I was 18, I saw Alec Guinness on television read from memory The Four Quartets by T.S. Eliot. And they are some of the greatest poetry written in English. And it's about the nature of time, how we perceive it, how it perceives us, how we are changed by having realized that. There's a wonderful phrase, for the roses have the look of flowers that are looked at.
Oh, God, that's fabulous. But the nature of time is... I find it endlessly fascinating, because what do we perceive as time? And we usually perceive it linearly, and it's... But memory isn't. It's cyclical. A tiny thing will prompt a memory, and you eventually get round to what the memory really is. But it is always oblique. It is always cyclical. But that's where I learned it, because when I'm listening to my family telling the most awful stories, they were told out of order. But I was never lost. Alors, il est obsédé par le temps, la question de la nature du temps. Il se souvient, en fait, quand il était enfant, son père était très violent et sa famille racontait des épisodes de violence de son père, mais qui était déconnecté de toute chronologie. Et il se souvient, sur un autre sujet, d'avoir vu à la télévision l'acteur Alec Guinness réciter de mémoire et par cœur un long poète de T.S. Eliot sur la nature du temps. Je ne vais pas m'aventurer à traduire le vers de T.S. Eliot qu'il a cité, je m'en excuse. Donc il considère évidemment que T.S. Eliot est l'un des plus grands poètes anglais du XXe siècle, et que ce poème-là en particulier traitait de la question de la nature du temps. Et pour en revenir sur le sujet de sa famille, donc il explique que le temps, c'est toujours quelque chose de... La manière dont on le perçoit, c'est pas forcément toujours linéaire, ça peut être aussi cyclique, et qu'un moindre petit détail, un moindre petit point dans le temps va... être le point de départ d'un souvenir, d'une mémoire, et s'organiser de manière en cercle, en tourbillon. Et pour en revenir aux anecdotes de sa famille sur son père, en fait, il racontait pas forcément dans l'ordre les choses. Il était habitué à cette perception non linéaire du temps, et c'est ça qui le fascinait, en fait. And what has emerged, really, and I do feel passionately about this, film should aspire to the state of music, because I mean I'm not a musician, but I love music, particularly Anton Bruckner's symphonies, glorious. But you don't need to go on that mechanical journey if you don't know anything about music. You go on that journey instinctively, and it's felt. It's not known. It is felt, and cinema should do that. But you know in the first 2 minutes of a film whether it's going to do that or not. And when it doesn't, the rest, the next 1.5 hours can be very dull. Alors là, il a parlé, en fait, il pense que les films, le cinéma devrait aspirer à avoir le même fonctionnement que la musique. Il précise qu'il n'est pas musicien, mais qu'il aime énormément la musique, en particulier les symphonies d'Anton Bruckner. Et qu'en fait, quand on écoute de la musique, on ne devrait pas le prendre d'un point de vue strictement mécanique, mais plutôt par rapport à ce que ça nous fait ressentir. Il insiste fortement sur la notion de sensation, en fait, que ça provoque. Et il dit qu'au cinéma, c'est pareil, et qu'en fait, dans les deux premières minutes d'un film, on sait tout de suite si le film va produire cet effet-là, cette sensation si particulière sur nous ou non. Et quand le film ne produit pas cette sensation, alors, en général, l'heure et demie ou plus qui reste derrière est très très longue et ennuyeuse. If you look at The Searchers, it's symphonic. It's also one of the great films made, whether it's Western or not, doesn't matter. But we begin with the door, and we end with the door, and the door closes. I mean, that's finding the home key and giving us what we need as the audience. We need the resolution of finding our inner key, and that's does it. Just fabulously. It's just quite wonderful, the way in which it's felt and perceived. And you feel the most enormous satisfaction when that door closes at the end. Il mentionne le film de John Ford, The Searchers. La prisonnière du désert, je confonds toujours avec She Wore Yellow Ribbons, c'est pour ça. Et donc ce plan d'ouverture avec la porte et ce plan final avec la porte qui se referme. Et il dit qu'en fait le film a une construction symphonique et que c'est extrêmement satisfaisant du point de vue du spectateur quand à la fin, la porte à travers laquelle on passe au début du film pour aller dans le désert se referme. Il y a une vraie construction, un vrai sentiment comme ça de satisfaction qui émerge de la manière dont le film est pensé. Au passage, il dit que c'est un des plus grands films de tous les temps, peu importe que ce soit un western ou pas.
Donc justement, ce rapport au temps, il est absolument fondamental dans votre cinéma. On le retrouve dans tous vos films. Donc le refus d'une narration linéaire, l'entrelacement des époques, la temporalité des images, un montage qui est beaucoup plus dicté par une logique émotionnelle que par une quelconque narration. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous vos films, et en particulier dans le documentaire Of Time and the City. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la construction de ce film, qui est donc un portrait de la ville de Liverpool, mais qui est un collage à la fois d'images, donc d'images en tout genre, d'images d'archives et d'images contemporaines, mais aussi un collage sonore de citations littéraires, musicales, philosophiques, qui crée une sorte de feuilleté d'émotions. Comment ce film s'est-il construit? So I was telling that so what you've just described is absolutely fundamental in your films. We find that in each and every film of yours, practically, the fact that the editing obeys an emotional logic, not a narrative logic. The fact that the images are completely out of time, that sometimes we don't even know if we're in the past, in the present, or in the future. The way that you mix times. And one of the most beautiful examples is of Time and the City, which is at the same time a collage of images with also archival footage, but also of quotes, literary, philosophical, musical. So it's a kind of, you know, there are all these layers that you put together. So it's a kind of synthesis of what you do. How did you construct that film? Well, I said we've got to cut it like fiction. And when you cut a musical sequence, you don't listen to the music. It's cut in there, you switch it on and see if it will work. And thank God most of the time it does. But no, it was it was being put together as we were getting material, because a lot of material in the Northwest about Liverpool and Merseyside. So these were coming in all the time. And I'd say, oh, can we get footage of this or that? And we'd find them. And then I was writing the commentary as we put them together. And it was, it really cut itself. It told you. Images will tell you when they don't want a bit of music near them. They'll just say sorry in the wrong place. And then when you find the bit that's right, then it's okay because you feel it. But it was sort of written as we were cutting it and as and what that cut threw up. And sometimes it was lovely coincidence. I mean, there's a quote from Sir Walter Raleigh. I happened to be reading Walter Raleigh that night. You know, I mean, it's his response to Christopher Marlowe's "Come live with me and be my love." If what's it? Of all the world and love were young, and truth in every shepherd's tongue, then gladly would I go to live with thee and be thy love. But I happened to read that by that night, so that's why that went in. Alors, dans le cas de ce film, qui est un documentaire expérimental, un collage, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure qu'il l'écrivait. Il savait qu'il allait avoir besoin de telle archive, de tel document, et il se les procurait au fur et à mesure, et il les ajoutait. En fait, il explique que sur la manière de monter, ils l'ont fait comme si c'était de la fiction, et que quand on coupe de la musique, en fait, on n'écoute pas la musique, en fait, on se laisse porter par le flux du truc, et on sait tout de suite si ça marche ou pas. Il a expliqué aussi que, par exemple, sur la question des archives musicales qu'il utilisait dans ce film, entre guillemets, les séquences savaient à sa place si elles avaient besoin ou pas d'être accompagnées de musique, que ça se voyait tout de suite si ça fonctionnait ou pas. Et sur le commentaire du film, le commentaire audio, la voix off, il écrivait au fur et à mesure. Et il a cité un poète dont une citation est dans le film. Alors, j'ai pas retenu le nom du poète. Sir Walter Raleigh. Voilà, je ne le connaissais pas. En fait, il explique que il se trouve qu'il lisait ce poète-là en même temps qu'il travaillait sur le film et que ça s'est imposé à lui comme une évidence de mettre la citation dans le film. Alors après, il cite en longueur le texte et là, je ne peux pas m'aventurer à vous retranscrire ça. Il faut aller voir le film, comme ça vous aurez la question. And when we finished it, we'd cleared all the music, and but there were certain things we were waiting to clear, clearing T.S. Eliot, for instance, which he's quoted, because in his will he said he didn't want
is poetry used in cinema, which was, you know, a real worry. But the other was Peggy Lee singing The Folks Who Live on the Hill, which I'd known since a child, and I've always loved it. In 3 minutes, it charts a life from young people being in love to them being old. Ah, and we had to wait and wait and wait and wait. And they finally said yes. And it was the same day that we waited and waited and waited and waited, and Cannes said yes. Thank heaven. Donc là, il revient sur des archives sonores qui ont été utilisées pour le film, qu'ils ont dû retirer pour certaines d'entre elles parce qu'ils n'avaient pas eu l'autorisation. Donc elles avaient d'abord été mises dans le montage et puis ensuite ils ont dû les enlever. Il mentionne notamment des extraits de T.S. Eliot qui lit sa propre poésie, qu'ils ont dû retirer parce que T.S. Eliot refusait que ce soit utilisé au cinéma. Et après, il a mentionné un autre auteur, une comptine, je crois. Non, une chanson. De Peggy Lee, The Folks Who Live on the Hill. Et donc là, en fait, ils ont attendu très longtemps d'avoir l'autorisation de le laisser. Et ils se souviennent de la journée où ils ont passé la journée à attendre la réponse. Et à la fin de la journée, ils ont eu la réponse, ils ont dit oui. Donc ils étaient très soulagés et très contents de pouvoir laisser le morceau dans le film. Et c'est aussi le jour où ils ont su que le Festival de Cannes, je crois qu'il a été montré en hors compétition, mais le film a été montré à Cannes. Peut-être aussi plus largement parler de votre travail sur le son, qui est toujours très particulier. Je pense notamment à une séquence au début de The Long Day Closes, qui commence par un plan d'un escalier dans la maison familiale, la mère qui appelle les enfants pour qu'ils viennent prendre leur petit déjeuner pour aller à l'école, et puis ensuite les enfants répondent, ils dévalent l'escalier, mais on ne les entend que au son, et l'image de l'escalier reste vide. Et c'est cette désynchronisation du son, de l'image, tout ce travail d'écho et de souvenir est quelque chose aussi de très récurrent. I was talking about the way you work on sound, particularly, for instance, in The Long Day Closes, you know, when the first shot, where there's this staircase, the mother calls the children and to tell them to come down, and they come down, but we only hear them, we don't see them, and the staircase stays empty. And that play between image and sound is something which you use, particularly in that film, to recreate also maybe the sensation of echo, of souvenir. Can you tell us more about how you work on the sound of your films? Well, it comes really with the memory of the image, you know, and I don't know why. Sometimes it's triggered by a piece of music, and that's fine. Then usually I just do the shots to that music. Sometimes you write something and you think, no, it needs something. I don't know what it is. And it happened particularly in Distant Voices, Still Lives. At the beginning, it needed something. I'd done everything else. I thought, no, it's something wrong. Anyway, I was listening to Radio 3. And the concert usually finishes at 1 o'clock, but it finished early. And they played Jesse Norman singing, "There's a man going around taking names." I thought, I found it. But you have to be open to that. Your antennae have to be open to it. And then other things trigger other things. And so really, it shapes you. You just have to listen to the inner voice and the inner ear. And sound is very important because silence is important. I mean, and I was very aware of silence when I was a child, because very often I was left completely alone in the house when my family went off, particularly on a Saturday when they went to the pub. I just sat in the hall all night until they came back. I was very aware of sound and lack of it, and the way a house creaks into silence. Alors, sur le travail du son, il fait lien entre l'image, la mémoire et la manière dont des fois ça appelle ou non un son. Parfois, il va composer un plan avec le son à l'avance, la musique, parce qu'il sait qu'il veut le faire avec. Et parfois, en fait, il se rend compte, une fois que c'est fait, qu'il manque quelque chose.
Il explique par exemple pour Distant Voices Still Live que là, il avait tout fini et puis il se disait il manque quelque chose dans la première séquence, il manque quelque chose. Et en fait, ce jour-là, il a allumé la radio, la radio numéro 3, et le concert qu'il diffusait avait fini plus tôt et ils ont passé une chanson de Norman. Jesse Norman. Norman de Tim. J'arrive pas à retenir le nom. Désolé. Et en fait, en entendant la chanson à la radio, il s'est dit ah, mais c'est ça qu'il fallait. Et du coup, il a ajouté. Et il insiste sur l'importance d'être à l'écoute, aux aguets, de cette petite voix intérieure, des fois, qu'on a qui nous dit bah, là, il faut ça. De toujours être prêt, en fait, à écouter cette voix et à savoir quand quelque chose doit être ajouté ou enlevé. Et il dit que le son, si c'est aussi important, c'est parce que le silence aussi est important. Et qu'il faut savoir écouter aussi bien les silences que les sons. Et donc là, il a évoqué un souvenir d'enfance où il s'est retrouvé assis par terre dans sa maison et s'est soudain rendu compte de à quel point une maison silencieuse, eh ben, elle n'était pas si silencieuse que ça parce qu'on entendait le craquement du sol, des meubles autour de lui. But also, I grew up on radio, which was magic, because there were only three radio programs, The Home, The Light and The Third. And the home service was the first to begin. And it always began with the shipping forecast. I had no idea what it meant, but it was absolutely mesmerizing. Fair Isle, Cromarty 40s, winds freshening south to southeast, moderate to poor visibility, with some fog banks. Wonderful. You may not have been able to translate. Wow. Alors là, il parle des programmes de radio qu'il y avait dans son enfance sur la troisième radio. J'ai pas très bien compris de quel type de programme il s'agissait. En fait, c'était les annonces météorologiques, puisque c'était Liverpool, donc avec le port de Liverpool, voilà, il y avait des annonces météorologiques. En fait. Et donc il imite. Et si vous voyez, je crois que c'est dans. Is it in The Long Day Closes or in Distant Voices? Distant Voices to Live. Dans Distant Voices to Live, le film commence avec ça, donc vous pourrez l'entendre dans le film. Il reprend une de ses annonces. L'idée à retenir étant qu'il est très marqué par l'importance de la radio dans son rapport au son et aux souvenirs. And although I hated football, my eldest brother used to listen to the results on a Saturday night at 20 to 5. You know, and all these wonderful names. I had no interest in football at all, but they had wonderful names, and there was this wonderful rhythm to them. It was really musical. Et par exemple, même s'il détestait le foot, son grand frère écoutait en fait les résultats de football anglais à la radio. Et il écoutait avec lui, et en fait, même si ça lui parlait pas, même si ça l'intéressait pas, il était frappé par la musicalité, le rythme et presque la poésie qui se dégageait des noms des joueurs en fait. Justement, juste parlons encore un petit peu de la musique dans vos films. Donc vous avez mentionné un certain nombre de chansons. Il y a un mélange à la fois de la musique populaire, de la musique traditionnelle, de musique classique dans vos films. Il y a une utilisation très diverse. Et évidemment, une des choses qui est très marquante, c'est dans, par exemple, Distant Voices Still Live, c'est les séquences où les personnages donc, de la famille, donc c'est les personnages principaux du film, se rendent dans des pubs le samedi soir. Et c'est un moment vraiment de communauté, de retrouvailles, de liesse et de mélancolie. Ils se mettent à chanter a cappella, ensemble ou en solo, des chansons. Il y a des très très longues séquences de ça, et c'est vraiment des séquences purement émotionnelles et qui racontent beaucoup de choses sur les personnages, bien plus que dans des dialogues. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces séquences-là? I'm talking about the distant voices, the lives, the sequences and the pubs. Just to talk a bit more about the music, because that they're so special, these sequences. They're so emotional, they're only emotional. And they say so much about the characters without you having to say anything in dialogue. Everything passes through these moments of songs, where they sing together, where they sing alone, a cappella. And that's beautiful. Can you talk about it? Yes, that's what everyone did. I mean, you had a pub at the end of the street, and on a Saturday, you went to the pub, you came home, you had a dance, had a few someone singing, and then you went home. And that's what everyone did. So I grew up with that. And people had some, I mean, my mother, my eldest brother, my two older sisters had lovely voices, particularly my mother. It was very, very mellifluous. But there were other people who were neighbors who had wonderful voices, and they had their own songs. And you'd say, oh, sing
Huawei, and Rini, she was called, she'd sing Huawei, just a wonderful voice, and other people would sing Deep Purple or whatever it was, but everybody knew the songs, and everybody knew what was a communal song. You just knew it, and that's what everyone did. They used to say England was a land without music, but that wasn't the case. It was popular music, but that's what you did. I mean, it's literally, that's what they did on a Saturday night, and even more so at Christmas. And I remember one Christmas, there were pubs on the main road, there were streets, and there was a pub on every corner. And it was Christmas Eve, and I was walking up the main road, and it had started to snow, and everyone in every single pub was singing. It was just glorious. Donc la séquence dont elle a parlé, en fait, il explique que c'est ce que les gens faisaient pour de vrai dans la vraie vie dans l'Angleterre de cette époque-là. On rentrait du travail le samedi soir, on allait au pub, on prenait un verre, on dansait, on écoutait de la musique, et en fait, quelqu'un se mettait à jouer ou à chanter, et tout le monde reprenait en chœur avec cette personne. Et il explique que dans sa famille, ses frères et sœurs, et sa mère en particulier, avaient tous des très jolies voix et qu'ils chantaient régulièrement ensemble, et même avec leurs voisins qui chantaient très bien aussi, qui avaient leurs propres chansons. Chaque famille avait un peu ses chansons fétiches, et donc ils chantaient avec leurs voisins Deep Purple ou Who Are We. Et voilà, donc il mettait ça dans ses films parce que les gens le faisaient vraiment. Et il explique qu'on dit souvent que l'Angleterre n'a pas une... C'est un pays sans musique, sans culture musique classique, mais en fait c'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est un pays qui a une musique mais populaire. Et donc lui il voulait montrer ça dans ses films, et il parle notamment du fait que aussi à Noël en fait tout le monde chante dans les pubs en Angleterre, et il se souvient d'un soir de Noël où il marchait dans la rue, il neigeait, et tous les pubs devant lesquels il passait, en fait les gens à l'intérieur chantaient tous ensemble. Et ce qui est très beau dans ces séquences aussi, c'est à la fois, quand on les regarde, on regarde tout autant le personnage que l'acteur qui chante cette chanson. Donc c'est vraiment un moment de mise à nu. On a commencé un tout petit peu à parler des acteurs tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? I was saying that what's beautiful in these sequences is that, as a spectator, we watch the character, but we also watch the actor singing. And it's a very intimate moment where we see both, you know, the sort of persona between the two. You've started talking a bit about your relationship to acting and actors. Could you develop a bit how you work with them? Well, where the songs are concerned, and I didn't realize this when I was listening to them when I was young, but what they were doing, they were singing their feelings. Those songs, usually the Great American Songbook, are poetry for the ordinary. And you know, you didn't realize when my sister was singing I Want to Be Around to Pick Up the Pieces that she had a lousy marriage. I wasn't aware of that. I was too young. But they were singing how they felt, and that really was powerful. Where the songs in the film are concerned, first of all, before you do anything, you've got to get them cleared for copyright, because if you can't afford them, you can't afford them. And then you give all the people the length, the lyrics, and you give them someone singing so that they know the tune, because a lot of young actors don't know these songs anymore. And as far as acting goes concerned, when they actually act, I don't want them to act. I said, look, just be. And I usually do it in under 7 takes, because after that it becomes rather dull and repetitious. In those first takes, it's alive. And because they inevitably think, well, I can do it again, because they can always do it again, the things that actually might go wrong might actually benefit from that. So you've got to be open to that, and be really careful about it. And there's got to be times when you literally know not to direct. Just say, would you like to go straight away? Yes. Or they say, I'd like to go straight away. Say, fine, do it. That's really crucial. And you've got to know that shot by shot, because sometimes they come on and you think, they're on the ball today. I mean, I don't have to do anything. They come on and you think, it's going to be tough today, because they're struggling for the character. I mean, at the beginning of... Let's make a pause for Max. I'm sorry. Alors d'abord, il a précisé, quand il était enfant, en fait, il comprenait pas forcément que quand les gens dans son entourage chantaient ces chansons-là, ils chantaient pas tant la chanson que
la manière dont ils se sentaient, leurs sentiments, leur état d'esprit. Quand sa grande sœur chantait une chanson d'amour triste, elle chantait pas vraiment une chanson d'amour triste, elle chantait plutôt sur la tristesse de son mariage malheureux. Il a compris plus tard, et c'est pour ça qu'il utilise aussi ça dans ses films, parce que pour lui, c'est des moments de vérité sentimentale à travers l'interprétation d'une chanson. Il a précisé aussi que le truc le plus important quand on fait ça, c'est de s'assurer qu'on dispose bien des droits de la chanson, parce que si t'as pas les droits et ça coûte cher, bah t'as pas ta scène. Il a précisé aussi que les jeunes acteurs aujourd'hui connaissaient pas les chansons de cette époque-là et que c'était un peu compliqué aussi, donc il faut s'assurer qu'ils sont familiers avec ces vieilles chansons. Et ensuite, il est revenu sur comment il les fait jouer ces scènes de chansons chantées dans les films, ces acteurs. Et il explique qu'en général, il essaie de le faire en moins de 7 prises, parce que pour lui, l'essentiel se joue dans la spontanéité des premières prises, et que plus ça va être réitéré, et répété et modifié, plus il va perdre sans doute ce qui l'intéresse, et que en fait, l'acteur, lui, il aura toujours la possibilité de refaire en se disant « j'ai quelque chose à améliorer », mais lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les premiers jets, voire même les imperfections, parce que c'est là que se joue le vrai, entre guillemets. Donc c'était ça qu'il expliquait principalement. Because on Benediction, the first week, Jack was very, very uncomfortable. He hadn't found Siegfried's voice. But all that uncomfortableness is just fabulous. Just like this. Là, il évoque l'acteur principal de Benediction, dont son dernier film en date. Et il explique que bah, sur la première semaine de tournage, l'acteur n'était pas encore tout à fait à l'aise dans son personnage, qu'il n'avait pas encore trouvé sa voix. Et en fait, lui, ça l'intéresse, ça. Il préfère ça qu'un acteur qui arrive avec une idée préconçue de son rôle toute prête. Et donc là, il s'est nourri en fait, de l'inconfort de son interprète principal dans son rôle au début du tournage. And it's I'm doing too much. I said, it's fine. And after 3 days, he'd found Siegfried. But those early shots, he's very uncomfortable. And film captures that. You don't have to do anything. Because even if you're just looking at a face, the face is never still. It always moves. I think it's the third close-up of Ingrid Bergman in Casablanca. She's in profile, and all she does is slightly open her lips. But what a close-up! Donc il explique que sur les premiers jours de tournage de Bénédiction, l'acteur n'avait pas encore trouvé vraiment son personnage, mais que lui, ça l'intéressait beaucoup, et que les plans qu'il a tournés à ce moment-là sont extrêmement beaux et intéressants dans leur étrangeté, dans l'inconfort qu'ils dégagent. Et il explique en fait qu'un plan d'un visage, même en gros plan, c'est jamais un plan totalement immobile, que le visage bouge, même si on essaie de ne pas le faire bouger. Et il prend pour exemple le troisième gros plan d'Ingrid Bergman dans Casablanca, où apparemment elle fait juste qu'entrouvrir sa bouche, et il dit voilà quel gros plan merveilleux. I mean, you can capture a single and important moment in a film and make it huge. You can take a huge important and cut it down to 20 seconds. That depends on obviously what the film is about, but it has the ability to reveal what goes on behind the eyes, and it's usually small things which are done, which have the most power. And I think I always think this is why I think films should be always aspire to music. If you don't know the symphonies of Bruckner, I hope one day you will. But he was a devout Catholic, and his last symphony he didn't finish. And it ends with a slow movement. And there's a huge discord in it. And you don't hear discords like that in Bruckner. You don't. And it just seems for one moment that he's not sure whether the faith is true. And then it ends quietly. It's his farewell to life. He believes that what he believes is true. And I think you can do that with film. And it should have that same sense of power, but it's got to be subtle. If it's obvious, it's unbearable. Sentimentality is even worse.
Et donc, en fait, il explique que les moindres variations, les détails les plus subtils, les toutes petites choses sont parfois ce qui peut faire le plus grand effet, le truc le plus fou pour un film. Même si ça dure que quelques secondes, on peut le faire durer, ça dépend du film, en fait. Mais des fois, un truc minuscule capté par la caméra va avoir une importance immense. Et donc là, il a cité une symphonie, la dernière symphonie inachevée de Anton Bruckner. Il explique que c'était un catholique convaincu et qu'en fait à la fin de cette symphonie inachevée il y a un mouvement qui est très lent, et à la fin de ce mouvement très lent il y a un moment très dissonant, ce qui est extrêmement inhabituel dans la musique de Bruckner, et que cette dissonance elle est ensuite résolue dans un grand moment de calme. Et pour lui ça montre que Bruckner savait parfaitement ce qu'il faisait et que cette dissonance inhabituelle c'était quelque chose, une variation subtile pour arriver à mettre en lumière, en valeur la toute fin, ce qu'il y avait après en fait. Et donc pour revenir à son cinéma et au pouvoir du cinéma, il explique, enfin en gros il défend la subtilité face à la sentimentalité et le pouvoir des toutes petites choses. And in Douglas Sirk's All That Heaven Allows, which is a lovely film, but at one point the Jane Wyman's son and daughter buy a television, and she's sitting on the sofa looking at the television, and she's reflected in the television, and the man who brings it says, "All of life is here. All life's cavalcade, and it's chilling beyond belief." Là, il est plein de parler d'une scène d'un film de Douglas Sirk, je crois. Tout ce que le ciel permet. Et donc, peut-être la dernière scène du film, ou une des dernières, non, je pense pas, mais... Où l'actrice est devant la télé et on voit son reflet dans l'écran de la télévision, et un autre personnage arrive et lui murmure quelque chose sur toute la vie se trouve dans ce moment, je crois, à peu près. Et donc, il explique que cette toute petite scène d'un film de Douglas Sirk produit un immense effet sur lui. So, we're going to have to stop our conversation and let the public ask questions. We have 15 minutes approximately. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Des remarques. Oui. J'arrive avec le micro. Actually, I met you in 1988. I was a student at Trinity College, Cambridge, a graduate student, and I issued you an invitation for our film club to come and introduce Distant Voices, Still Lives. And I couldn't guarantee you that there would be a huge audience, and it turned out to be fairly small, but you still honored the invitation. I just wanted to express my gratitude for that. I don't know if you remember that anecdote. Alors, la personne qui vient de prendre le micro explique qu'elle a déjà rencontré Terence Davis en 1988 à Cambridge ou Oxford, j'ai oublié, dans le cadre de son ciné-club, et qu'il l'avait invité pour une projection de Distant Voices, et qu'il lui avait dit à l'époque, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura beaucoup de monde dans le public, et d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'était déplacé, mais il était quand même venu, et donc il voulait lui exprimer sa gratitude pour être venu à cette époque. Well, thank you, because I never ever thought I'd have an audience in Britain, let alone abroad. I didn't truly, because I thought it's sort of, I'm an acquired taste, as someone said. Merci. Et en fait, moi non plus, je pensais pas avoir beaucoup de public au Royaume-Uni par rapport au public que j'ai pu trouver à l'étranger. Comme on dit, je suis un acquired taste. Il faut s'y faire à mon cinéma. Ça vient pas naturellement. And an American journalist said of the trilogy, "These films make Ingmar Bergman look like Jerry Lewis." Et à l'époque, un critique de cinéma américain avait dit que mes films faisaient passer Bergman pour du Jerry Lewis. Une autre question, le micro est là, devant. Profitez de la présence de Terence Davis en nos murs à Lyon. Il y a deux. Je serai rapide, merci. Juste pour Douglas Sirk, je crois que c'est le vendeur de télévision, l'installateur de télévision qui lui dit il y a toute la vie dans le poste. Et d'autre part, je voulais savoir s'il avait terminé son école d'acteur. Did you finish your drama school at all? Yes, I had to.
Otherwise, you have to pay the grant back, and I couldn't afford it. But what made the second year hard is because I knew I wanted to direct. I just felt it. I knew I'd never make it as an actor. I was very good in comedy, particularly pantomime. I was good in that. But I was adequate everywhere else. But when I looked down the camera for that very, very first time, it was such a revelation. It was such a revelation. I've never forgotten it. Never forgotten it. But you can't lose. You've got to be passionate about it. You know, if you've got no passion and no sense of humour, you might as well be dead. Donc oui, il a dû finir son école dramatique parce que sinon il aurait dû rembourser la bourse qu'il avait obtenue. Mais la deuxième année a été très difficile pour lui puisqu'il savait qu'il ne voulait plus être acteur et qu'il n'était pas fait pour ça. Et au contraire, il sentait profondément en lui qu'il voulait être réalisateur. Et donc il explique que le moment où il a enfin pu tourner et passer derrière la caméra pour la première fois, ça a été une révélation absolue pour lui. Et il explique en fait que si on n'a pas de sens de l'humour et de passion pour ça, c'est comme si on était mort en fait. Enfin... Une dernière question ? Non, il y en a plusieurs. Je vais parler en anglais. Welcome to Lyon, there's David. And I have a particular question from one of your films that I've seen in the pandemic. In 2021, I think, it was The Long Day Close. And to me, it's one of the most beautiful films I've ever watched in my entire life. Yeah, I am 20 years old, and I still don't know how to, my question is the last frame of The Long Day Closes. And I have this particular question. Where does this landscape come from? Is it on your vision, or is it working the artistic merit? How do you do that? In the last frame of London classes, this shine light. I never seen this kind of frame my entire life. But honestly, I don't know. It has to be felt. It has to be felt within you. And that way, it tells you how it wants to be done. It really is as simple as that. But I don't know where it comes from. I mean, very often, you work on a sequence and you think, oh, it just isn't right. And then the solution will always come when you're getting into the bath or sitting on the toilet. Or doing your washing, you think, well, why couldn't it have come earlier? So I don't know where it comes from, but you have to be true to it. Your inner voice and your inner ear, you have to be absolutely true to it. And that is the great guide. Obviously, having gone through life, I've changed too. I suddenly think, oh no, I don't need to do that. I can do this, or I'll try that and not this. Because making films, you when you do your craft, you learn as well. But you also learn from every single film. Usually you learn best from the bad ones. You know, in my case, it's The Neon Bible, which is not good. But I learned a great deal from it. And as you change, there's something inside you that keeps that change in check. I don't know what it is. And I suppose it's probably best that I don't. Alors, la question portait sur le dernier plan de The Long Day Closes. Et on lui demandait comment il avait eu l'idée de ça, de ce moment de serrée de lumière, de ce paysage, d'où ça venait. Et donc il explique qu'il ne le sait pas lui-même en fait, mais que c'est le genre de choses qui s'imposent naturellement à lui quand il réalise ses films, qu'il les sent au plus profond de lui-même, et que en fait il faut être capable d'écouter cette voix intérieure, cette oreille intérieure qui nous dicte comment composer ces images et faire ça. Ensuite, alors la réponse a été un petit peu longue, je suis désolé. Après il a... Putain,
manqué le milieu de la réponse. Oui, que c'est des choses qui viennent après. Quand il... C'est des choses, parfois, les idées qu'il peut avoir viennent après coup. Oui, voilà, il a parlé que quand quelque chose ne va pas, on s'en rend compte aussi, la petite voix à l'intérieur nous dit là, ça va pas, il manque un truc. Et souvent, on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Et ça nous vient spontanément beaucoup plus tard, sous la douche, dans le bain, aux toilettes. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah mais oui, mais c'est ça qu'il fallait faire. Et après, en fait, il est revenu sur le fait que bon, bah, il a eu toute une vie de changement et qu'il a évolué constamment dans sa pratique au fur et à mesure des années et qu'il a aussi appris de ses erreurs, en fait. Donc, il a mentionné son film The Neon Bible, qu'il considère lui-même comme son plus mauvais film. En fait, il explique qu'il a aussi su être capable de prendre en compte ses erreurs pour changer, pour évoluer, mais qu'il ne comprend pas exactement comment ça se concrétise à l'intérieur de lui, comme s'il y avait quelque chose qui enregistrait à sa place ses changements, ses erreurs et ses adaptations, et qui réagissait de manière presque inconsciente ensuite à comment s'adapter et évoluer et prendre les bonnes décisions au fur et à mesure. Une dernière petite question ici. So I'm going to ask the question in English and maybe translate it in French. I wanted to ask a question about A Quiet Passion, the Emily Dickinson biopic. It's very, very difficult when you shoot a biopic about writers to not make the writing scenes boring, because everything happens within, and all you see is someone sitting or standing and just jotting words on a piece of paper. So I wanted to ask how you approached directing these scenes, how you discussed this with the actress, how do you, because I find that in your movie it's amazing, it's the best writer biopic I've ever seen, and I've watched a lot because I really love biopics, so I wanted to ask you about that, how do you approach directing writing scenes. Donc, ma question c'est sur le biopic d'Emily Dickinson, que la poétesse américaine, et c'est très très difficile de filmer une scène où quelqu'un est en train d'écrire et de le rendre intéressant au cinéma. Et donc, je lui pose une question sur comment il a dirigé et discuté avec l'actrice pour mettre en scène ces moments d'écriture qui sont très intérieurs. Well, the thing, ever since I was a child, I believed that what was on the screen was true. Absolutely true. And I saw lots of rubbish, but I believed it was true. And I still feel that it's got to be true. I can tell when people are being mannered and it's not felt. I just can. You say, no, this is what it is. I mean, and sometimes it will be a very small thing. It might only be a pause. On one occasion, in the last film, he had to say, I can't face the day between 10 and 11. Little pause in the middle. Suddenly there was no pause. I said, well, can we have the pause? Because it's crucial. So I got a bit of that, and it was quite cross. I said, but if you say it without the pause, it's the wrong beat. It needs that extra beat. Anyway, we got it. It was fine. But you have to, whenever you're writing anything, that is the principle. It's got to be true and felt, and you've got to then translate that to other people coming onto the screen, coming onto the picture, and not being you. The nature of time is always a problem, so now I just date each scene, so there's no problem there. But for the actors, it's much more subtle. You have to know, do they understand the word? And if they understand it, then they have to feel it. And you have to sometimes guide them toward that. When they're on the ball, they do that themselves. So that's fine. But sometimes you have to deal with things which are peculiar. I mean, I had on one of the one of the actresses came onto the scene like this. I said, well, people don't come on the scene sideways. I know they did in ancient Egypt, but we're no longer there. Next take.
You think, if she does it again, I'll strangle her. Eventually, she came on like an ordinary human being. But why would you come on a scene sideways? Alors là, je vais avoir une grosse difficulté pour traduire tout ça. Parce que ça ne répondait pas totalement. C'est un peu à côté. Donc, Oui. Pardon. tu te souviens ? Non. Là, j'essaie de me ressouvenir du début parce que j'étais un peu perturbé par la fin. Sur le début. Oui, voilà. Voilà, tout ce qu'il voyait sur les écrans, il considérait que c'était la vérité, en fait. Et quand il était enfant au cinéma, et même encore aujourd'hui, en fait, il considère qu'il a, il a toujours eu, entre guillemets, ce don pour savoir ce qui était vrai ou ce qui était faux, maniéré, mis en scène, mais pas sincère, sur un écran de cinéma. Et donc, il applique ça à son propre cinéma quand il dirige les acteurs. Et donc ça, ça peut être dans le moindre détail, ça peut être dans une pause avant un mot, dans une réplique. Si on enlève cette pause dans la réplique, et bah, lui, il va sentir en fait, que ça ne marche plus. Quelque chose va lui dire que non, il faut qu'il y ait cette pause, sinon ça ne fonctionne pas, on n'y croit pas, ça ne fait pas vrai. Et donc il insiste en fait, sur cette notion de sincérité dans le jeu des acteurs, qui passe à la fois par le fait que les acteurs doivent comprendre profondément, sentir au plus profond d'eux-mêmes le sens presque caché de ce qu'on leur fait dire, du texte qu'on leur fait dire, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc là après il a évoqué la situation d'une actrice qui avait débarqué sur le plateau et qui à chaque fois qu'il lançait la scène et la caméra, elle se mettait légèrement de profil par rapport à la caméra, et il comprenait pas pourquoi elle faisait ça, parce que ça marchait pas du tout, que c'était pas du tout naturel, et il réessaye et elle recommence. Et il se dit, mais pourquoi elle fait ça en fait, enfin, on n'est pas en Égypte ancienne avec les gens qui se mettent de profil. Et il s'était dit, mais on va réessayer, si elle recommence, je vais l'étrangler en fait, parce que ça ne marche pas du tout. Eh bien, c'est sur cette intervention très théâtrale et très musicale qu'on va momentanément dire merci à Terence Davis, à Eva, à Maxime. Thank you.